Nous avons rencontré Henri Lecomte lors de l'Event Golf Cup sur le hall course de Cannes-Mandelieu. Il va nous parler de sa passion pour le golf. Henri, comment et quand as-tu découvert le golf? C'est il y a très longtemps. C'était pendant la Coupe de Galéa, tu imagines. Je devais avoir 15 ou 16 ans. C'était avec Jean-Paul Lotte. On était à Vichy. Et on se retrouve sur le practice de golf. Et on a commencé à taper 2-3 balles. Et je me souviens que première fois, j'avais pris un fer 3. Et c'était parti pas trop mal. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un sport qui peut être sympa, qui peut être complémentaire par rapport à un autre sport. C'est-à-dire que, bon, l'avantage, c'est que la balle, elle ne bouge pas. Mais c'est plus dur à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je maîtrise mieux quand elle vient un peu où tu dois te déplacer. Mais c'est un sport extraordinaire parce que, comme aujourd'hui, on peut se retrouver tous ensemble, différents sportifs de haut niveau, différentes personnes, pouvoir jouer et passer un bon moment. Donc ça, c'est sympa. Moi, ce que j'adore le plus, c'est pouvoir, toi, te retrouver dans un environnement où c'est la sérénité, c'est la convivialité, la générosité et se marrer. Parce que moi, me retrouver, faire une partie de golf sans être mort de rire ou restant concentré du premier à la fin, c'est pas mon truc. Je l'ai fait ça toute ma vie. Et par contre, bah, toi, il y a une personne d'ailleurs qui aujourd'hui est complètement mordue et qui ne voulait même pas entendre du golf il y a 4 ans, c'est Mansour Barami. Il dit mais bah, je joue pas au golf, c'est quoi? Et là aujourd'hui il est comme un dingue. Yannick Noah, il joue comme un fou aussi, on se retrouve tout le temps. Guy joue très bien, mieux que moi. Et c'est vraiment un sport qui, à la fois tu peux jouer avec un champion du monde et jouer avec quelqu'un de... Toi, tu rencontres tellement de gens, tu passes des bons moments que c'est extraordinaire, j'adore moi. L'excitation, la joie de vivre, le fait de rencontrer différentes personnes, le fait d'être émerveillé à chaque fois quand on va sur un parcours. C'est pas parce que toi, tout d'un coup, tu dis, comme dans la vie de tous les jours, tu vas dans son restaurant là, non, voilà, tu as toujours une idée. Bien sûr qu'il y a des parcours exceptionnels, mais parfois tu te retrouves aussi dans d'autres clubs qui ont une prétention moindre, mais aussi tu passes des moments fantastiques parce que chaque parcours est différent. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sport qui est le golf. C'est pas du tout la même chose au tennis. Le cours, il change pas, peut-être l'environnement, mais ici, à chaque fois, c'est extraordinaire. Donc c'est ça qui te donne beaucoup de plaisir, convivialité. Tu rencontres des gens tous les jours de pays différents, de mentalités différentes, et surtout, avant tout, c'est là où tu vois les gens, les gagneurs, les voleurs, les tricheurs, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que tu vois vraiment la mentalité de la personne. Donc moi j'adore le golf pour ça.